Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un haul Oncle 24. Voilà, j'ai commandé récemment quelques produits qui me faisaient de l'œil. Je viens juste de les recevoir. Donc on va déballer ça ensemble. Donc j'ai déjà ouvert le paquet pour gagner du temps. J'ai gardé ici avec moi la commande, pardon, pour retrouver les prix. En plus, les prix sont hors taxe, c'est parfait pour moi. Donc, on va déjà déballer. Je vais enlever le polystyrène. C'est toujours très bien emballé, hein. Les fois où j'ai commandé, j'ai vraiment toujours reçu mes articles en bon état, pas cassés, pas tordus, enfin, vraiment très bien emballé. Donc, on commence par un pinceau que je me suis commandé. C'est un pinceau très très fin. C'est pour me permettre d'aller vraiment sur les cuticules, enfin au plus près des cuticules, mais sans les toucher bien évidemment. Voilà, ça me permet quand je fais mon vernis semi-permanent de prendre un tout petit peu de vernis et d'aller m'approcher très près pour pas toucher quoi, pas toucher la peau. Voilà, donc c'est un pinceau numéro 2. Il est très très bien, très fin. Enfin, je ne sais pas si on voit bien, mais enfin, il est très fin. Et ce pinceau, je l'ai payé 3,95 €. Voilà. Je l'ai reçu après avoir fait ma manucure. Vous voyez, là, je viens de la faire. Je l'ai faite hier. Donc, j'ai sur mes ongles la couleur Nude Maryland, justement de chez Ongle 24. Donc, j'ai fait un ongle ici avec le Quick Finish brillant. J'en ai fait un autre avec le mat. Et celui-ci, il a été fait avec de la poudre miroir. Le petit, lui, par contre, il a été fait avec un autre produit qui n'est pas de chez Ongle 24, qui est l'AliExpress. Il est très joli aussi, c'est un rose gold très joli, en vernis semi-permanent. Donc, on continue le haul. Ici, c'est une plaque de stickers. Alors, je vais enlever le plastique parce que ça fait des reflets toujours. Voilà, vous voyez, c'est une plaque dorée avec des stickers, avec un peu de nacre. Vous savez, comme des perles de culture blanches. Ça peut faire joli, ça peut faire son effet. J'aurais bien aimé en mettre un peu sur le pouce, par exemple, pour éviter qu'il soit tout simple. Mais bon, je le ferai la prochaine fois. Et la plaque, je l'ai payée 2,50 €. Ensuite, ce qu'on a, ce sont des petits pots que j'ai commandés. Des petits pots de, je sais plus, 5 grammes, je crois. Comme ça va me permettre de les tester. Alors, j'en ai pris 2, 3, 4, 5. J'en ai pris 5. Alors, par contre, là, ceux-là ne sont pas ouverts, hein. J'ai le Metallic Red. Alors, je ferai des tips et puis je vous inclurai des tips, hein, comme ça, vous pourrez, des photos, pardon, comme ça, vous pourrez bien vous rendre compte. Et celui-ci, le Metallic Red, de toute façon, tous les petits pots sont à 3,75 €. Donc, je ne vais pas vous dire les prix à chaque fois, c'est 3,75 € unité. Je vais essayer de l'ouvrir. Alors, c'est bien scellé, hein, il y a un opercule. Donc, on voit quand même la couleur. Waouh! Très beau, très très beau. Parce que justement, j'ai reçu des produits AliExpress et je me suis rendu compte que je n'avais pas pris de rouge. Pas savoir pourquoi. J'en ai beaucoup de rouge en vernis semi-permanent, mais celui-ci, je ne l'avais pas avec des nacres. Il est vraiment très très joli. Voilà, donc c'est le Metallic Red. Je vais refermer pour éviter des bêtises. Ensuite, on a le Metallic Ice Rose Copper. Cooper. Non, Copper. Voilà le nom. Ça veut pas. Bref, bon, on va l'ouvrir, on va regarder tout de suite la couleur. Metallic Ice Rose. Oh, c'est un vieux rose. Un vieux rose. Je vais essayer d'allumer la lumière. C'est vrai que là, il est quand même presque 10h30 et le temps, c'est vraiment n'importe quoi. J'espère qu'on voit bien. C'est bien.
bien après. Hein. C'est un vieux rose. Pareil, hein, je vous ferai des petits pistes sur le compte sur un tips. Mais il est vraiment très joli. Hein. Waouh, ouais, c'est magnifique. Alors, ce rendu avec la lumière, c'est magnifique aussi. Ensuite, on a le color gel Metallic Gold. J'enlève l'opercule. Oh ! Ah oui ! Oui, 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 c'est très joli aussi. Hein. Pour les fêtes, ça va être parfait. Voilà. Voilà, je précise que ce sont des gels, hein, donc ce n'est pas du vernis semi-permanent. Avec un vernis semi-permanent, vous arrivez à le mettre sur un ongle naturel. Ça, par contre, non, il faut le mettre sur du gel. Donc moi, ce n'est pas un souci parce que, comme je l'ai déjà dit, j'ai les ongles très mous. Donc je mets un gainage d'abord avec du gel. Donc après, ça, je peux mettre ce genre de produit-là. Ensuite, un autre, c'est le Big Glitter Gel Perseus. Alors, celui-ci, je ne l'avais pas dans ma collection. Alors, celui-ci, il est sur une base argentée avec des petites paillettes roses. Très joli aussi. Aussi. On referme et le dernier, c'est le color gel métallique Indian Summer. Voilà. Je me souviens plus ici sous quelle tonalité il est. Je me souviens plus. Summer, je dirais jaune. Et non, perdu. Alors c'est un. C'est un rouille. C'est un rouille en fait. Il est très joli également. Hein. Mais c'est un orange, enfin, qui tire quand même plus vers le rouille. Hein. Mais bon aussi. Voilà, là, je suis bien contente. Je n'avais pas ceux-là, les color gel métalliques. Donc voilà, je fais ma petite collection. On va y aller progressivement. Et ensuite, il nous reste donc ces deux bouteilles. Alors, ce sont deux bouteilles de la gamme Brush On et j'ai pris le Glam Glitter Lambada et le Glam Glitter Tango. Donc, on va regarder. Alors, on va commencer par le Glam Glitter Tango. Et c'est vraiment un rose magnifique. Magnifique. Je sais pas comment vous le présenter pour qu'on voit bien. Je vais essayer de vous montrer ça. C'est vraiment très très beau. C'est un rose. Hein. Un rose pailleté doré. C'est très très beau. En plus, les paillettes sont très très fines. Hein. Vraiment magnifique. Hein. Est-ce que ça ressemble un peu? Non, le mien est plus... Enfin, celui que j'ai sur mon ongle, vous voyez, est plus orangé par rapport à celui-ci qui est plus rose, finalement. Mais bon, très joli quand même. Ça m'en fera de plus. Et donc ensuite, le Glam Glitter Lambada. Rose, mais plus soutenu. Celui-ci sera peut-être plus approchant par rapport à mon vernis. Quoique un peu plus rouille. Hein, mais plus approchant quand même. Mais il est beau aussi. Hein. Il est très très beau. Oui, là, j'ai craqué littéralement sur les paillettes et les métalliques. Hein.
Eh bien, écoutez, je suis bien contente de ma commande. Et les, donc, la série Brush On, je l'ai payée 9,95. 9,95 le flacon. Voilà, j'en ai pris que deux. Hein. C'est tout. Bon, ben là, en dessous, il y a ma facture. Donc, voilà, j'en ai eu pour 45,30 €. Bon, ben écoutez, je vais faire tous les tips de présentation pour que vous puissiez les voir en situation. J'espère que ce petit haul vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits likes et puis à vous abonner. Ça fait tellement plaisir de voir que la chaîne grandit petit peu par petit peu. En attendant, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!